乗り出る。先生、犯人探しはやめ。ナマコナマコ。問題ねえよ。桃鉄99年やった時の方がしんどかったわ。それにお前もいる。大丈夫、僕最強だから。めぐみ、生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。あれ、どったのシグロ。別に出番がなくて拗ねてんな。俺だ。おい、おい、早く。何笑ってんすか。別に。力のすべてを取り戻したスクナなら、ちょっとしんどいかな。負けちゃう。勝つさ。いい。それでいい。小僧の体物にしたら、真っ先に殺してやる。Les gars, qu'est-ce qu'on vient de lire ? Être un fan de Jujutsu Kaisen, c'est vraiment difficile depuis un moment. Après la mort de Nanami, la disparition de Nobara, la destruction du personnage de Yuji, la destruction du personnage de Megumi, nous assistons désormais à la mort d'un des personnages les plus charismatiques créés ces dernières années, la mort de Gojo Satoru. Le roi des fléaux Ryomen Sukuna a gagné l'affrontement des plus forts. Nous disons au revoir à un des personnages, si ce n'est le personnage le plus populaire de la série. Bon, en vrai, soyons honnêtes, on s'y attendait globalement tous. La série ne pourrait pas avancer avec un personnage aussi puissant que Gojo Satoru dans les parages. Pour qu'on puisse suivre et observer le développement des autres personnages, il fallait que Gojo perde et soit incapable de combattre. Mais bon, le voir comme ça, c'est vraiment choquant. Gege Akutami lui-même avait expliqué qu'avoir un personnage aussi puissant que Gojo compromettait forcément le déroulement de l'histoire. Il expliquait qu'il avait pris la décision de sceller Gojo pendant plus de 3 ans pour que l'histoire puisse continuer. La seule solution durant l'arc Shibuya, et aujourd'hui encore, c'est d'écarter Gojo d'une manière ou d'une autre. Nous assistons donc à la mort du plus fort des exorcistes, celui qui avait changé la balance du monde. Bouddha lui-même dans l'œuvre d'Akutami. Le chapitre 236 est si majeur dans l'histoire, je ne pense pas les gars qu'on réalise à quel point il est impactant. Le pilier du monde de l'occulte est mort. Ce chapitre comporte énormément d'informations, il est très émouvant, et c'est une conclusion à la fois belle et tragique, concernant le personnage de Gojo. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le chapitre 236 de A à Z. Nous reviendrons sur l'adaptation de Makora qui a permis à Sukuna de vaincre Gojo. Ensuite, nous verrons la conclusion de Gojo par rapport à sa problématique en tant que personnage. Nous verrons également les éventuels signes ou théories qui pourraient annoncer son retour. Et enfin, nous verrons ce qu'il pourrait se passer par la suite, notamment avec le combat Kashimo contre Sukuna. Beau programme pour cette vidéo les amis, du coup installez-vous et on y va. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Ça me prend énormément de temps d'écrire et de faire les vidéos, surtout sachant que je suis en cours en même temps. Du coup, pensez à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis également en live Twitch tous les mercredis et tous les jeudis pour réagir au chapitre et regarder les épisodes de Jujutsu Kaisen. Du coup, n'hésitez pas à passer. D'ailleurs, je ferai exceptionnellement un live ce soir pour discuter avec vous à partir de 21h. Du coup, dès que vous avez vu la vidéo, venez. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Yamelo ! Itadori ! Bon,
Pour la première fois, par souci de clarté, je ne vais pas analyser le chapitre linéairement. On va directement rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment Sukuna a tué Gojo. Vous devez sans doute vous demander comment Gojo Satoru est mort. Eh bien, Sukuna a tué Gojo car il a désormais la capacité de trancher l'espace directement. Et oui, je sais c'est assez compliqué à comprendre, mais ne vous en faites pas, je suis là pour tout vous expliquer. Dans ce chapitre, nous comprenons que Sukuna a utilisé Makora depuis le début, d'après un but bien précis. Il voulait que Makora développe une attaque qui puisse outrepasser l'infini afin qu'il puisse la copier. Mais bon, expliquons cela plus en détail. Sukuna maîtrise l'énergie et les techniques occultes à un niveau extrêmement poussé. C'est le roi des fléaux qui a vécu plus d'un millénaire. En voyant une attaque une seule fois, il est capable de la reproduire sans problème. Giga Akutami nous avait donné énormément de foreshadowing qui allait dans ce sens. Sukuna, en voyant Kenjaku, a appris à transformer son âme en relique maudite. Sukuna, en voyant Gojo utiliser le sort d'inversion pour restaurer son sort occulte, a pu utiliser la même capacité directement après. Sukuna, au sein du corps de Yuji, puis celui de Megumi, a vu Noritoshi, puis Chozo utiliser sans perforant, et il a pu mimer la même attaque avec l'éléphant de la plénitude. Sukuna est un virtuose de l'art de devenir plus fort. C'est un vrai génie du combat capable de s'adapter et de développer de nouvelles capacités pour survivre dans n'importe quelle situation. C'est très sensé en fin de compte parce qu'on parle quand même du roi des fléaux, celui qui a compris le cœur de l'énergie occulte. Celui qui, d'un simple mortel, a pu s'ériger en tant que roi de la malveillance. Sukuna Lega est d'un autre niveau et ce chapitre le confirme vraiment. Dans ce chapitre, Sukuna explique comment fonctionne vraiment le pouvoir de Makora. Rappelez-vous qu'au chapitre 117, Gojo expliquait que le chef du clan Gojo, utilisateur du sixième œil et de l'infini, et le chef du clan Zenin, utilisateur de la technique des 10 ombres, s'étaient entretués. A l'époque, même si on savait que Makora y était sûrement pour quelque chose, la manière dont Makora a pu surpasser l'infini n'a jamais vraiment été explicité. Au chapitre 232, Yuji se demandait si Makora s'adapte en fonction de l'expérience ou s'il s'adapte en fonction du temps. Eh bien, Sukuna nous apprend qu'en réalité, c'est les deux. Une fois que Makora subit une attaque, il commence à s'y adapter. Et s'il se fait frapper par cette attaque à plusieurs reprises, son adaptation s'accélère. Mais le pouvoir de Makora ne s'arrête pas là et c'est cette nouvelle information qui change totalement la donne. Une fois adapté à une attaque, Makora commence à développer divers moyens d'outrepasser ce sort. Et c'est ce stade-là que Sukuna souhaitait atteindre depuis le début concernant l'infini. Sukuna a utilisé Makora afin qu'il s'adapte à l'infini de Gojo Satoru. Une fois Makora adapté à l'infini de Gojo, il a commencé à développer plusieurs moyens d'outrepasser l'infini. Et Sukuna a simplement attendu qu'il puisse copier, mimer un de ses moyens de Makora pour l'adapter à son propre sort de découpe. Depuis le début, c'est ce que Sukuna souhaitait. Il souhaitait utiliser Makora pour rendre sa propre technique plus puissante pour vaincre Gojo. Plutôt dans l'affrontement, pour atteindre Gojo, Makora a changé la nature de son énergie occulte. Mais cette méthode développée par Makora, même Sukuna ne pouvait pas la copier. Par conséquent, Sukuna attendait simplement que Makora développe un moyen qu'il puisse copier et adapter à son sort de découpe. Et dans le chapitre 234, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Makora a développé une attaque qui tranche directement l'espace. Et en tranchant l'espace, l'infini de Gojo devient impuissant. Donc cet instant était beaucoup plus alarmant que ce que nous pensions. Cette méthode développée par Makora, Sukuna l'a copiée de la même manière qu'il a copié sans perforant. Voilà pourquoi il semblait aussi satisfait. Sukuna a fait évoluer sa propre technique occulte pour qu'elle puisse trancher l'espace et surpasser l'infini de Gojo. Il a développé un sort de découpe qui ne vise pas directement Gojo, mais l'espace, le monde, l'existence elle-même. C'est pour cette raison que l'infini qui se contente de diviser l'espace en petites portions infinies n'a pas pu résister face à cette attaque. Les gars, par cette manœuvre, Sukuna nous montre que c'est un personnage complètement boosté. La manière dont il aborde les combats pour toujours rester le plus fort montre son génie et son adaptabilité. Pour parler rapidement de la déclaration de Gojo lorsqu'il disait que Sukuna aurait gagné même sans les 10 ombres, je pense que c'est là que Gojo voulait en venir. Sukuna est un tel génie, il est si puissant que même sans les 10 ombres, il aurait trouvé un moyen de venir à bout de lui. Il a utilisé Makora pour faire évoluer sa propre attaque, mais dans tous les cas, sa maîtrise est telle qu'il aurait forcément trouvé un moyen de vaincre Gojo. Mais bon, je ne suis quand même pas méga satisfait de cette déclaration de Gojo, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris l'attaque finale de Sukuna, mais finalement, c'est assez logique. J'avais même plus ou moins prédit la semaine dernière l'utilisation du sort de Makora par Sukuna.
Sukuna. C'est que ces techniques devraient être inefficaces sur Gojo à cause de l'infini, mais tout de même. On a vu Sukuna utiliser la technique de l'éléphant de la plénitude sans que ce dernier soit invoqué. Et on a vu Makora utiliser un sort de découpe de Sukuna. Et si Sukuna était capable d'utiliser l'adaptation de Makora directement sur lui-même? Si on imagine un Sukuna qui aurait cette habilité, il serait immunisé face à bleu et violet, ce qui rendrait toute attaque de Gojo inefficace face à lui. C'est une première théorie sur une possible contre-attaque de Sukuna. Sukuna préparait ce coup depuis le début du combat. Même Gojo ne pouvait pas connaître les réelles conditions de l'adaptation de Makora, car personne dans l'histoire de l'exorcisme n'a pu soumettre ce dernier. Lorsque Sukuna disait que tout se passait comme prévu au chapitre 234, il avait déjà ce plan en tête. Il attendait patiemment une adaptation de Makora qu'il pourrait copier et adapter à son propre sort de découpe. Beaucoup d'éléments des chapitres précédents rendent finalement cette manœuvre tout à fait logique. Grâce à son combat contre Gojo, Sukuna est désormais beaucoup plus puissant et son sort de découpe est littéralement devenu métaphysique. Il a fait passer sa technique à un tout autre niveau et ça devient vraiment difficile d'imaginer un personnage qui pourrait le vaincre. Le prochain combat semble être Sukuna contre Kashimo. Le narrateur lui-même dit que Kashimo court vers une mort certaine. J'avais fait une théorie à propos de la flèche de foudre que Sukuna posséderait. Ça pourrait être intéressant de voir Sukuna vaincre Kashimo avec une telle technique. Je vous invite à voir cette vidéo si jamais. La situation semble très compliquée pour les héros qui ont face à eux un adversaire plus puissant que Gojo Satoru, et je ne parle même pas de Kenjaku. Bon, pour revenir sur le début du chapitre, il faut dire qu'il y avait pas mal de foreshadowing concernant la mort de Gojo. J'en avais parlé dans cette review-là, mais les corbeaux, plus l'auréole, plus la tenue de Toji, c'était quand même de gros indices. Le chapitre débute avec une conversation entre Gojo et Geto dans un sas entre la vie et la mort. On a déjà vu d'autres personnages dans la même situation juste avant de mourir, notamment Jogo qui, pareil, avait vu ses compagnons morts au moment de rendre l'âme. En tout cas, oui, vous avez bien entendu, Gojo Satoru est entre la vie et la mort. Je sais que vous êtes choqués les gars, parce que la dernière page du chapitre précédent montrait littéralement Yuji et Kusakabe annonçant la victoire de Gojo. Mais il semblerait que dès cet instant, le destin de Gojo était déjà scellé. Bien vu au frérot Oakman qui nous a fait remarquer ça lors du live de jeudi dernier, mais dès cette planche, il semblerait que l'attaque de Sukuna a déjà été lancée. Si on regarde bien, la case se stoppe d'un coup et on ne voit pas du tout le torse de Gojo. Et la raison est très simple, c'est parce que Sukuna avait déjà lancé son attaque de découpe. Beaucoup de personnes disent que la mort de Gojo s'est faite hors screen, mais ce n'est pas vraiment le cas. Cette attaque était si rapide qu'elle a directement propulsé Gojo et les lecteurs dans un sas entre la vie et la mort. Gojo était mort avant même qu'on puisse en prendre conscience. Je pense que par ce choix d'écriture, Akutami voulait insister sur la vitesse de l'attaque de Sukuna et nous donner un POV de Gojo qui n'a pas du tout vu le coup arriver. Un instant, il pensait gagner, et la seconde d'après, il était face à Geto. Nous avons donc une discussion entre Gojo, qui est sur le seuil de la mort, avec ses proches qui ont déjà péri. Ce n'est pas du tout un flashback, mais bien une discussion actuelle entre Gojo et ses proches défunts. Les personnages se retrouvent dans un aéroport pour discuter. Gojo est entouré par les personnes qu'il aime et qui ont péri avant lui. Il y a Nanami, Abarai, Geto, le principal Yaga, la jeune Riko Amanai et même ce bon vieux Toji dans le fond. Vous remarquerez les gars qu'il n'y a pas Nobara, ce qui signifie qu'elle est sûrement toujours en vie. Et oui, ici on espère toujours le retour de Nobara. Gojo est de retour à la période la plus heureuse de sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il était encore un jeune adolescent, insouciant et immature, qui partageait son titre du plus fort avec son meilleur ami, Geto. Gojo explique qu'il ne comprend pas pourquoi Geto est là, sachant qu'il a expliqué à ses élèves que les exorcistes meurent seuls. Il réalise qu'il ne pourra pas annoncer à Megumi la vérité concernant son père, Toji Fushiguro. Mais il rebondit en disant que Shoko est toujours là pour le faire à sa place. Geto demande à Gojo comment c'était d'affronter le roi des fléaux. Et Gojo explique que Sukuna était extrêmement puissant. Gojo déclare que Sukuna n'a même pas donné tout ce qu'il avait. Et pour être honnête, j'ai trouvé cette déclaration assez surprenante. Mais ce n'était que le début, car Gojo poursuit en affirmant qu'il pense qu'il aurait quand même perdu, même si Sukuna n'avait pas la technique des 10 ombres de Megumi. Même si je pense que Gojo a dit cela pour mettre en avant la maîtrise de Sukuna par sa dernière attaque, cette déclaration est extrêmement surprenante, car elle remet en question tout le combat que nous avons vu pendant plus de 2 mois. Gojo a mis Sukuna en très mauvaise posture tout au long de l'affrontement. À ce moment précis, si Sukuna n'avait pas utilisé Megumi pour encaisser l'infini de Gojo, il aurait perdu face aux effets de son territoire. Aussi,
Sukuna, durant cet affrontement, n'a utilisé quasiment que la technique des 10 ombres, et je trouve ça fou que Gojo puisse affirmer cela. Honnêtement, de tout le chapitre, c'est la seule déclaration qui me fait un peu grincer des dents. En disant cela, Sukuna est vraiment placé à un niveau monstrueux qui semble compromettre l'idée qu'un autre personnage puisse le vaincre. Cette déclaration risque de faire rentrer le manga dans des contradictions, car cela signifie que Sukuna a une puissance si colossale qu'il ne se donne même pas à fond face à Gojo. Mais s'il ne se battait pas à fond, qui peut même espérer le vaincre? J'espère qu'on n'aura pas des power-ups inexpliqués qui sortiront de nulle part. Dans la plupart des chapitres qu'on a suivis, Gojo dominait, l'attention était à son paroxysme et Sukuna a frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais alors, si Sukuna ne s'est pas donné à fond, qu'est-ce que c'était? C'était Sukuna qui faisait semblant ou... Cette déclaration semble réduire un peu le côté historique de cet affrontement. Mais pour moi, cette déclaration reste le point de vue de Gojo et par conséquent, elle n'est pas forcément véridique. Le narrateur disait lui-même que Sukuna ressentait de l'attention pour la première fois depuis un millénaire. Et surtout, l'explication derrière la victoire de Sukuna reste teintée par Makora. Même si c'est Sukuna qui a lancé le dernier coup, c'est grâce à l'adaptation de Makora qu'il a pu avoir ce modèle. Ce modèle qu'il a pu copier et adapter à sa propre technique pour vaincre Gojo. Sukuna dit lui-même à Gojo qu'il ne l'oubliera jamais en lui annonçant ses respects. Pour cette raison, je pense que dans une certaine mesure, il s'est donné à fond. Et du coup, je n'apprécie pas forcément cette déclaration de Gojo, mais bon, je me dis que c'est son simple ressenti, pas forcément la réalité. Et au-delà, Akutami a peut-être rajouté cela pour relancer le mystère autour de la vraie puissance du roi des fléaux. Gojo explique d'ailleurs qu'il est triste pour Sukuna qui n'a pas pu se donner à fond durant cet affrontement. Même si Gojo était proche de le sortir de sa solitude, visiblement il n'était pas celui qui le sortira définitivement de cette dernière. C'est assez intéressant cette tournure car on comprend vraiment le parallèle entre Gojo et Sukuna. Les deux personnages sont ceux qui se comprennent le mieux paradoxalement. Étant les plus forts, ils se sont toujours sentis seuls et isolés. Gojo explique qu'il est satisfait de ne pas être mort de vieillesse, d'épuisement ou à cause d'une maladie. Il est mort face à un adversaire plus puissant que lui. Pour la première fois, Gojo est sorti de sa solitude. Mais je développerai davantage cette idée à la fin de la vidéo. Gojo affirme avoir tout envoyé à Sukuna. Toute sa puissance, toute son explosivité, toutes ses techniques, il s'est donné à fond. Mais ça n'a pas suffi à vaincre le roi des fléaux. Ça fait bizarre quand même de voir Gojo dire des trucs comme ça. Mais j'y reviens. Comme je l'ai dit, Gojo durant cette scène rencontre aussi d'autres personnages. Ce qui nous amène à sa discussion avec Nanami. Cette discussion ouvre la troisième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les théories concernant un retour de Gojo. Et si Gojo n'était pas complètement mort? Nanami fournit des informations intéressantes. Il raconte sa propre expérience lors de ses derniers moments. Dernier moment où Nanami a rencontré Aibara d'ailleurs. Nanami explique que les fléaux peuvent ramener les gens à la vie de la même manière que l'exorcisme le peut. En effet, on savait déjà que les gens pouvaient revenir à la vie en tant qu'esprit maudit, mais apparemment, l'exorcisme peut également en ramener les gens à la vie. Nanami raconte une conversation qu'il a eue avec Mei Mei concernant où aller vivre. Cette dernière lui a dit qu'il peut aller vers le nord et devenir une nouvelle personne, ou alors aller vers le sud et retourner vers ce qu'il a toujours été. Nanami, devant ce dilemme, est allé vers le sud sans hésitation, misant sur la nouvelle génération. Ainsi, si Gojo prend une direction différente, s'il va vers le nord, il peut choisir de rester en vie en devenant une nouvelle personne. Un être qui a connu la défaite et qui n'est plus le plus fort du monde, Gojo Satoru. Cette métaphore pourrait être un espoir d'un retour éventuel de Gojo, mais un Gojo qui ne serait plus du tout celui qu'on a connu. Un Gojo qui ne serait plus le symbole de la puissance dans le monde de l'occulte. Autre élément, il y a également l'analogie de Gojo autour des fleurs de lotus. Rappelez-vous les gars, Lee avait dit à Sakura dans Naruto, la fleur de lotus s'épanouira à nouveau. Dans le bouddhisme, qui est une grande inspiration pour Akutami, ces fleurs incarnent la pureté, l'éveil spirituel et l'espoir. Elles incarnent la puissance, la résilience et la renaissance de l'âme. Par cette analogie, Akutami nous annonce peut-être que Gojo n'est pas définitivement mort et qu'il renaîtra. Si on retourne à la naissance de Bouddha lui-même, lorsqu'il était bébé, il a fait 7 pas vers le nord et à chacun de ses pas, une fleur de lotus a fleuri sur le sol. Gojo et Bouddha, dans l'œuvre d'Akutami, par conséquent, la référence au nord et à la fleur de lotus peuvent tout à fait signifier que Gojo n'est pas vraiment mort et qu'il va revenir. Donc les pros Gojo, ne vous en faites pas parce qu'il y a toujours de l'espoir. Le crâne de Gojo est toujours intact, donc Yuta ou Shoko pourraient le soigner avec la technique d'inversion. Mais bon, personnellement, j'ai du mal à croire que Gojo reviendra. Le narrateur parle tout de même noir sur blanc de la mort de Gojo Satoru. Aussi, si Gojo revient, il ne combattra plus, il sera simplement là pour assister à la création de la nouvelle société d'exorcistes dont il rêvait tant. Gojo sera un nouveau personnage qui n'est plus le plus fort et qui n'est plus seul. Cette idée de solitude nous mène à la conclusion du personnage.
Malgré ce que j'ai dit au sujet de la phrase des 10 ombres qui m'embête, je pense quand même que c'est une magnifique conclusion pour le personnage de Gojo Satoru. Lors de cette dernière conversation avec Geto, Gojo est de retour à son insouciance, à sa jeunesse. Gojo est mort un 24 décembre, exactement comme son meilleur ami, Geto Suguru. Rien que ça, c'est un élément très tragique et poétique. C'est comme si une part de Gojo était morte en même temps que Geto lorsqu'il n'a pas pu le sauver. Les deux sont morts le même jour, la boucle est bouclée. Gojo n'est plus le plus fort qui a affronté Sukuna, il n'est plus le plus fort des exorcistes Gojo Satoru, mais simplement Satoru qui discute avec son ami Geto. J'en avais parlé dans cette vidéo, mais concernant Gojo, il y a toujours eu cette dualité entre Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, qui est sûr de lui, arrogant et omnipotent, et Satoru, celui qui voulait simplement être perçu en tant qu'individu, en tant qu'être humain. C'est toute la problématique derrière la question. Es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort, ou es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru? En d'autres termes, à ce moment-là, Geto lui demande est-ce que ce qui fait sa puissance, c'est réellement lui en tant que personne, c'est-à-dire que son arrogance, sa confiance en lui et tout ce qui fait de lui Gojo Satoru est le fruit de sa liberté en tant qu'individu, ou alors est-ce qu'au contraire, Gojo Satoru n'a jamais été libre? Est-il condamné à être le plus fort parce qu'il est Gojo Satoru? Le nom Gojo Satoru porterait un tel poids qu'il déshumaniserait complètement Gojo, faisant de lui un être déterminé par son destin d'être le plus fort dès le départ. Mais maintenant qu'il a perdu, Gojo n'est plus le plus fort. Il est simplement Satoru en tant qu'individu. Le seul qui a réussi à percevoir Gojo en tant que réel individu, c'est Geto Suguru. Et je trouve d'ailleurs que le début de l'épisode de cette semaine illustre bien cette idée. Pour tout le monde, Gojo Satoru est beaucoup de choses, mais fondamentalement, c'est le plus fort. Mais là, dans ce chapitre, pour la première fois, nous avons un Gojo beaucoup plus accessible et vulnérable. Les lecteurs et les personnages autour le voient désormais comme Geto l'a toujours vu, c'est-à-dire en tant qu'individu accessible. Lors de cette dernière conversation avec Geto, Gojo pour la première fois parle en étant vulnérable. Il parle sincèrement en oubliant tout ce qu'il doit incarner. Il avoue que Sukuna est plus fort que lui et affirme même que, 10 ombres ou pas, il ne pense pas qu'il aurait gagné. Par ce chapitre, Akutami nous montre Gojo tel qu'il n'a jamais été. Il est humain, vulnérable, et il avoue que son seul regret et que son ami Geto n'ait pas été là pour l'encourager. C'est une conclusion extrêmement touchante et tragique pour ce personnage qui a été condamné toute sa vie à porter le poids de son nom, de sa puissance et de ses techniques. Au seuil de la mort, Gojo explique quand même qu'il n'a aucun regret et qu'il est satisfait d'avoir combattu un adversaire plus fort que lui. Il dit qu'il s'est amusé et est presque content de mourir, soulagé de ne plus être le plus fort. Gojo va jusqu'à ressentir de la tristesse pour Sukuna, qui n'a jamais pu expérimenter ce qu'il vient de vivre. Gojo prend l'analogie d'une fleur qui éclot. Il explique qu'on peut admirer l'éclosion d'une fleur, mais qu'on ne peut pas lui demander de nous comprendre. Dans le même sens, il y a toujours eu un écart entre Gojo et les autres qui l'isolait davantage. Gojo était le personnage le plus seul de Jujutsu Kaisen à cause de sa puissance. Et désormais, Sukuna ayant gagné, il reste seul et isolé. Le fait que Gojo, lors de sa mort, soit si entouré est une conclusion parfaite pour le personnage. Tout ce qu'il voulait finalement, au travers de la nouvelle génération, c'est avoir des élèves forts qui pourraient le surpasser. Ces élèves forts permettront de changer la société d'exorcistes, mais dans le même temps, ils permettront à Gojo de ne plus être seul. Ils lui permettront de ne plus être isolé et d'être enfin compris. Depuis qu'il a perdu Geto, c'est ce que Gojo a toujours souhaité. Face à Sukuna, pour la première fois depuis très longtemps, il a fait face à un adversaire extrêmement puissant, plus fort que lui. Cet adversaire lui a permis de sortir de sa solitude et de ressentir une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Au seuil de la mort, alors qu'il annonçait à ses élèves qu'on mourrait seul, pour la première fois, Gojo Satoru est réellement entouré. Il est compris et il n'est plus isolé. Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, a été vaincu, laissant désormais un jeune Satoru libre de son titre. Laissant désormais Satoru libre de ce poids qui pesait sur lui depuis l'instant même de sa naissance. Gojo n'est plus seul, il est libéré. Alors que la neige tombe sur le champ de bataille de Shinjuku, Gojo Satoru sourit car pour la première fois de sa vie, il n'est plus seul. Il souhaite que ce ne soit pas un rêve, car c'est dans la défaite, c'est dans la mort, encore une fois, qu'il voit la vie. Ses élèves vont pouvoir prendre le relais et réformer la société d'exorcistes. Et lui est libéré de cette solitude qu'il a toujours acculée. De manière très tragique, ce n'est que lors de sa mort que Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, n'est plus seul. Gojo Satoru.
呪術高専で1年を担当して。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。おおマジ。そうか。そうだな。そうかもな。先生。先生がいなかったら俺今頃死刑だったみたいよ。そんで一応恩人です。一応。それからこれは俺に限った話ではないですか。バカバカだな。シャケレゴ軽薄個人主義言うまでもなく最強よ。佐藤お久しぶりです。スグロやばい、やってしまった。原則は嫌が、あなたは人は後悔しないように死ぬべきだと言いませんでしたか。ふふっ。ふふっ。ご助手佐藤、私はあなたを忘れない。